tiens. Ah bah non. T'aurais pas 20 balles à me dépanner, s'il te plaît? Non, je les ai pas. Allez, je te les rends lundi. Non. Juste 20 euros, Manon. Oula. Qu'est-ce que tu veux? Ça te dirait de venir chez moi m'aider à faire mes devoirs? Écoute, Charles-Henri, c'est... Charles. Mais tu peux m'appeler comme tu veux. Ok. Du coup, je vais t'appeler... Trouduc. Non, ça me dit pas, non. Ok. On vole pas le mec des gens. Mais ça se vole pas des gens, Daphné, t'as compris? Mais toi, ça te dérangerait pas d'avoir ta meilleure amie qui se tape ton mec dans ton dos? Ah, mais moins que d'avoir une amie qui insulte les autres filles de salope et qui croit toutes les rumeurs, en fait! Mais ce n'est pas une rumeur, demande à Emma! Oh putain, mais j'en ai marre de t'entendre dire des conneries, c'est un truc de ouf! Aïe! Qu'est-ce que t'as dit, Emma? Quoi? J'ai rien dit, j'ai juste dit que t'avais rendez-vous avec un mec sur Tinder, c'est sûr! Tinder? Mais tu plaisantes ou quoi? Mais fallait bien que je lui explique pourquoi t'étais pas à ma fête d'anniversaire! Ta fête d'anniversaire, c'était pas ton anniversaire, et depuis quand c'est ok de traîner avec mes potes? Hey, c'est elle qui s'est ramenée! Chut, c'est elle qui s'est ramenée? On a commencé à discuter, elle voulait faire la fête. Je voulais faire la fête. Ça va, c'est pas un crime. Putain, Michael, quoi. That's my name, bitch. C'est quoi? C'est une autre de tes techniques? Tu leur joues un morceau, et avant la fin de la chanson, plus de culotte. C'est ça? Ah non. Je joue pas pour attirer les filles dans mon lit. Charles, dis-moi. Ok. Jouer une chanson, hein. C'est bon d'être enfin seul avec toi. Je sais ce que tu penses, là. C'est pas cool, je suis son frère, je suis en train de le balancer. Mais moi, j'ai vu trop de filles comme toi souffrir à cause de lui. Elles finissent par l'attendre. Pendant qu'il est ailleurs en train de se taper une autre meuf. Mais t'as pas le droit de m'en vouloir. J'essaye juste de faire ce qu'il faut. Mais toi, tu t'en fous de tout, en fait. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'avoir ce que tu veux. Et puis t'es égoïste, égocentrique, manipulateur, cynique et pourri gâté. Et c'est pour ça que je t'aime pas. Je veux être indépendante, forte, quoi. Et changer sa façon de penser à cause d'un mec, et ben, c'est tout le contraire de ça. Pour moi, être fort et indépendant, c'est justement être capable de changer ses opinions. Et si t'as pas peur de dire ce que tu penses, alors Charles, il n'arrivera jamais à te contrôler. Non, pète un coup, c'est bon, je te rachète un demain. En plus, je touche ma paye demain. Mais c'est pas demain que je le veux, c'est maintenant, là, tu comprends? C'était ça, le plan. Je l'ai acheté pour le manger ce soir. Et toi, t'arrives et tu prends des trucs, tu crois que c'est à toi, t'es permis, et moi, je mange quoi? Hein? Mais je peux te cuisiner n'importe quoi d'autre. Mais non, tu peux pas cuisiner! Tu peux pas cuisiner parce que tu sais rien faire! Tu sais rien faire à part vivre au crochet des autres! J'arrive plus à réfléchir, genre plus, je mange, j'étouffe, j'ai la gorge serrée, ça me fait trop mal, t'imagines même pas. Calme-toi. Calme-toi. Assieds-toi. Je suis amoureuse de Charles. Et il est amoureux de toi? Je crois, oui. Tu vois, quand tu disais que c'était un connard et qu'il me méritait pas, est-ce que toi, il te mérite? J'ai pas couché avec ton frère. Cool. Attends. On peut au moins se parler? Même quelques minutes? Je pars vivre à Londres. Emma? Je vais parler et il est parti. Thank you.
T'es en train de devenir une personne normale, ça y est. Une personne normale qui ne pense qu'au sexe. Charles, sexe, Charles, sexe, Charles, sexe, Charles, sexe, Charles, merci, Charles. Oh, mais t'arrêtes, t'es chiant, là. Arrête, sérieux, t'es chiant. Tu me saoules.